abandonner le médecine. Hein. Oh, arrêtez les amis. Ah, un peu de son, ça fait du bien. Dès le matin, bon, une vidéo spéciale avec Artan 27. Vidéo spéciale où on va parler que des actus vidéo. Donc pas de gameplay, rien du tout. C'est juste parler des infos vite fait à l'arrache. Donc on parle aujourd'hui. Phil Spencer nous parle du partage des jeux dématérialisés qu'ils avaient parlé l'année dernière à la sortie de la Xbox One. Il a pas abandonné l'idée. Ils sont en train de réfléchir à comment pouvoir faire. Donc ça pourrait être sympa de pouvoir se péter les jeux. Wolfenstein, on en parlait, il sortira prochainement, je sais quand, et c'est un jeu qui sortira en 1080p 60fps, qu'on n'arrête pas d'en parler, la guerre un peu, la guerre des 1080p 60fps, et il sera de la même qualité sur PS4 et Xbox One. Enfin, on va arrêter de commencer à de faire la guerre sur les 1080p, parce que, de toute façon, il n'y a que ça de parler. Il sortira le 20 mai. Nous avons parlé aussi de Project Car. Il y aura peut-être un projet avec l'Oculus Rift. Nous allons parler aussi, enfin, on en parle maintenant parce qu'il n'y a que 5 minutes de vidéo. Il y a la réputation. La réputation Xbox One va commencer à être mise en place, je crois, cette semaine ou la semaine prochaine. Et on pourra noter les joueurs si c'est pas des rageux, s'il n'y a pas d'insultes et tout ça, parce qu'il y a sur upload et quelques soucis avec certaines personnes. Et aussi sur le live, on rencontre un peu des mecs qui n'arrivent pas à se contrôler. On va pouvoir les noter. Plus leur jauge est basse, plus ils sont un peu dans le caca, parce qu'ils ne pourront plus faire des vidéos Twitch et se retrouver des parties multijoueurs avec certains joueurs. Ça, c'est good. Après, voir si les mecs ils jugent bien quand même, parce que ça risque d'être un petit peu le problème. Titanfall, un patch va être sortir avec des nouvelles cartes, enfin des skins, tout ça, mais un patch gratuit, c'est pas compté dans les DLC. Pour ceux qui ont la Season Pass, ça n'a rien à voir. Donc c'est un patch vraiment gratuit, c'est pour améliorer 2-3 choses que ça commence à rager un peu, parce que on commence à faire tout, hein, tout bonnement. Assassin's Creed, vous avez dû en entendre parler, le prochain Assassin's Creed qui se déroulera à Paris. Des vidéos tournent sur YouTube, ça va être magnifique, ça va être un superbe jeu. Nous allons faire un tour un petit peu des autres consoles quand même, on va parler des autres fois, mais voilà. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, j'attends un jeu de golf là qui devrait sortir aussi le mois prochain, Kinect Sport Rival, hein, je crois que c'est le 10 avril, et Titanfall qui arrivera le 11 avril sur 360. Les malheureux, ils sont en train d'attendre, les pauvres petits gars. Il y a une grosse promo en ce moment aussi sur le live avec 360 et Xbox One, avec TF. Tomb Raider et Call of Duty à des moins 50, moins 30%, ça peut être intéressant. Batman Arkham Knight, enfin il y a pas mal de choses à parler, j'essaierai d'en mettre un peu plus sur mon groupe des gamers, sur Xbox and Games, sur Facebook, vous m'envoyez une invite. Et sinon, suivez mes infos aussi sur YouTube, avec Artman Xbox One ou Twitter. Et vous trouverez aussi sur Upload de Game France où j'en fais la pub, Spawn, c'est un super avec Green, toute la clique là, une bonne bande de copains, on s'amuse bien, des super vidéos. Donc, je vous dis à bientôt les copains, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'en ferai d'autres avec des gameplays. J'essaierai de faire un Twitch, vous me demandez quel Twitch vous voulez que je vous fasse, et je ferai. Et j'essaye de programmer ça, je vous enverrai l'invite sur Twitter ou sur Facebook, sur le Xbox and Game. Donc je vous dis à la prochaine, Artland 27, vous dis à bientôt sur le live. Ouh, où ils sont?